Et bonjour tout le monde, et on se retrouve pour ce nouvel épisode de Heroes of Might and Magic 2 avec la campagne d'Archibald, avec Archibald lui-même prêt à aller attaquer son frère Roland et à lui faire passer définitivement l'envie de vouloir le contrer. Donc, on est reparti, j'en étais à vendre ressources pour avoir 10 rubis pour que Archibald puisse justement gagner de l'expérience. Voilà, c'est fait. Logistique avancée, bien évidemment. Bien évidemment. Parce que logistique plus orientation, ça commence à faire des déplacements plus faciles ici, même si bon, on arrive au bout de toute façon. C'est pas grave. Donc toi, tu viens prendre finance. Voilà, comme ça, on va gagner encore un peu plus de sous. On augmente la chance en combat. On prend identifier héros. Déjà quelque part ailleurs, mais c'est pas grave, les sorts d'hypnose, ça pourrait nous faire gagner de l'XP d'affronter des méduses, ça nous permettrait même d'en recruter. Bon, que c'est méga bien utile, mais bon. Toi, tu repasses à ton château, on va te refaire le plein de ton armée. Je vais recruter immédiatement. Oh, putain, 10 cyclopes. 12, 9, bien, ça c'est fait. C'est marrant ça, on sait pas ce que c'est ça. C'est le rayon froid. Ok, on prend le froid, hein, carrément. Les points de magie on prend, cabane de la sorcière, c'était pour la balistique, on connaît. Et là il lui faudrait aussi 10 rubis à lui. 10 rubis, ben on en a pas tant que ça. Donc c'est pas grave. Pas grave du tout. Éclair pour rayon. Ce personnage l'a appris. Ah mais ce personnage n'a même pas de livre des sorts. Sérieusement. Oulala, va falloir remédier à tout ça. Je n'avais pas vu. Alors, des paladins ici. Bon, on pourra en recruter mais non. Un peu mal mais bon, ça va. Tir à l'arc, bien évidemment. Ça... servirait à rien. Ça non plus. Ah oui, ça ne permet pas de nous battre, c'est juste d'en recruter. Je croyais qu'il fallait les affronter, vous voyez, moi là, avant de les recruter. Mais non. Tout va bien. On va prendre 26 loups aussi, c'est pas mal les loups. Qu'elle a sur elle. Prendre les loups, ouais. Les loups, c'est bien. Tac. Arrête à la paillotte. Qui va ne servir à rien puisqu'on va les lâcher, mais c'est pas grave. Toi. Ok. Ça ne servira à rien. En profiter hein, pour recruter un petit peu. Par les hydres et les gargouilles qui sont dispo, mais je ne vais pas les prendre pour le moment. Archibald, hein, qu'il faut que j'amène absolument. Ouais, je l'amène en fait. On va lui faire un tour de tous les châteaux à Archibald. Ça va être pas mal ça. Off, off, off. Encore que j'ai tout pris. Ce qui m'intéressait. Nickel. Nickel, nickel. Bon, toi. Attention, on part en observation. C'est pas ce qui nous attend. Et là, on part faire la tournée des châteaux avec Archie.
va essayer d'en profiter d'ailleurs pour récupérer un maximum de. Voilà, je fais ça parce qu'en fait ça va me permettre de passer au niveau 3 ici. Contre-sort, bon, c'est pas ouf, mais bon. Bien, ça y est, ça s'approche. Alors quel niveau il a lui? Pas dingue dingue hein. Non, il est carrément pas dingue, on va le défoncer. Voilà. Alors il n'y a pas de quoi faire une guilde niveau 4, si à une ressource près on pourrait le faire. Donc on va le faire. On a carrément possibilité d'échanger ça contre ça. Tac. Voilà. Gardien d'eau, orage. Ok, nickel. Allez, prochain château, celui-là. Bah, toi. Glorieuse victoire. Okay, c'est carrément une victoire en plus. On va pas le refaire. De la main. Nickel. Sagesse expert, balistique avancée, on va prendre la sagesse quand même. Ok, on va prendre un petit village ici. On va le faire. Alors ce qu'on va faire, c'est que toi qui es là, tu vas venir en soutien. Ce héros. Ça va te prendre quelques tours. Ça sert à rien. Je préfère qu'il soit en soutien au cas où d'un problème. Avancer, lui va aller par là. Ok, on avance. On pourrait en faire un château. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire un château? Pas vraiment. 2000 pièces d'or. Ouais, ouais, on va prendre. Nécromancie expert aux finances avancées. On va prendre la nécromancie expert quand même. On garde le château, mais on garde spécial. C'est pareil, t'as pas le niveau. Ça va fuir, on va essayer de le refaire pour ce qu'on peut faire de mieux. Quand même. C'est vrai que je suis toujours pas acheté de sort. De livre des sorts, je suis vraiment. Là vous devez dire, ben ouais, boulet, tu l'as pas fait. J'ai pas trop avancé. Allez, tranquille. Allez, bisous. Ça va me fuir là, je pense. On était sûr. Toi, tu fais demi-tour. Faut que j'arrête de jouer au con et tu viens t'acheter un. Allô? Ah oui, d'accord. Vous apparaissez comme ça, comme des petites. Je vais pas dire quoi, mais je le pensais très fort. Là aussi. Ok. Popo. Ça avait déjà été fouillé.
va faire ça quand même. Ok, donc là l'argent devrait plus trop être un problème maintenant pour le recrutement. Je pense. Je dis ça, ça part vite quand même. Non, il m'attaque, il crève quand même parti. Ok. On essaie de prendre une armée d'ailleurs. Alors Archibald. Qu'est-ce qu'il manque? Pas grand chose on peut pouvoir les faire. Tac. 2. Pour 1. Bon voilà, on va pouvoir se faire le sort de niveau 5 ici. Qui va être Ptose. Amène un peloton ennemi sous votre contrôle si ses points de vie sont d'ailleurs à 25 fois la puissance du magicien. Et on a surtout la porte du village. Ouais, donc là ça commence à être pas mal. Nickel. Alors on va en profiter pour se reprendre encore des dragons noirs. Parce que pourquoi pas. Ok. Pas fait avec lui. C'est vrai que j'aurais pu faire tout ça. Là. Prendre le temps de le booster un peu, hein, Archibald. Je sais pas ce que va avoir Roland, mais à mon avis, je pense qu'il va avoir une sacrée armée aussi. Chose me dit que on aura une surprise. Voilà, ça y est, on a acheté un bouquin. Tac, 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 tac. Une hutte. Des loups et on peut repartir à l'aventure. Toi tu prends le relais. Ok, c'est bon. Tire à l'arc, oui. Ah bah ça c'est top ça. On les renvoie et on va récupérer du dragon rouge. Plusieurs. Toi tu descends là. Archibald, ça. Ouais, il connaît déjà. On va affronter les mages qui sont là juste pour faire de l'expérience, hein, parce que. Y a pas de raison. Ça, c'est fait, ok. Toi, tu remontes là-haut. Sept dragons rouges quand même. Il commence à être badass le héros. Merde, c'est de la merde. Oui. Des petits points d'XP, hein, c'est pas énorme. Et petit plus par petit. On avance. Non, il ne reste qu'un emplacement, donc on va essayer de prendre un truc bien. Alors, à eux. Tac, tac, tac. Quarante zombies ou 12 momies? Ah ah. Dégâts 3, 4, 2, 3. Les zombies quand même. Ouf, terrible, terrible, mais c'est mieux que rien. War Hero, ça m'intéresse. Ça c'est des héros. Ok, il y en a encore pas mal qui se baladent.
mal qui se balade là-haut. Tiens, tiens, tiens. Trois géants pour 18 000 pièces. Le pire, c'est que c'est assez intéressant, parce qu'on est riche. Alors, ils sont pas améliorés, mais c'est quand même trois géants. Mais... non. Finance avancée. C'était pas dégueulasse, hein. Franchement, j'hésitais, hein, mais... mais bon. Faire des choix. Château de merde aussi. On va prendre des sorts. Hein. Toi, t'as tout appris de toute façon, donc elle t'apprendra rien de plus. C'est quoi ça? On va échanger ça contre ça. Je sais, ils sont pas très gagnants au change. On s'est à monter en haut avec Archie. Je vais faire un petit tour. Donc, lui aussi. Merde. Joueur vert a été vaincu. Un petit bonus. Alors, voyons voir les héros qui se baladent dans le coin. Ouais, tu pars de principe carrément. Putain, mais ils ont rien quoi. Chercher tour d'ivoire. Ok. Moi, niveau thune, j'ai ce qu'il faut. Hein. Mais on les mange trop.
tranquille pour le moment, donc ça m'inquiète. Il y a une surprise quelque part qui va nous tomber sur le coin de la gueule ou... Ça m'intéresse d'un point de vue. Alors attendez, parce que j'ai Eon qui me tombait sur le coin de la gueule là. Alors, déjà. Au revoir. Ça nettoie. Archibald, il est vraiment balèze. Ok, d'accord. Il y a des tonnes de châteaux. Et ben, on va se faire plaisir. Et même Xanadu, eh. On verra ça après. Pareil, on va pouvoir les battre sans trop de problèmes normalement. Ah, qui c'est qui peut encore se déplacer? Oui, toi, on s'en fout. Alors attention, parce que là, ce qui se passe, c'est un petit peu les déplacements. Ouais, d'accord, tu retournes dans le château. Yves, toi, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Se passer, bien se passer. Qu'à m'aveugler tous les personnages de tour, ça devient un peu chiant. Bon, normalement, il va être obligé de m'attaquer mes autres unités. Hein. C'est là que ça va poser problème. Technique d'aveuglage en boucle quoi. Ah ouais. Ah
cette blague. Mais la PV, point de manœuvre, je peux. Sans déconner. C'est quoi ce truc de merde? J'hallucine quoi. Je reviens pas mes yeux, je prends pas mes yeux. J'y crois pas. Je crois pas ce que j'ai en fait. Alors là, je suis choqué. Je suis totalement choqué. Ok, très bien. C'est bizarre hein, de se le prendre comme ça, mais ok. Toi, tu vas rester ici. Et puis, on va refaire un héros là. Peu importe qui, hein, j'en ai rien à foutre. On va remonter une petite armée quand même, parce que bon, ça vaudra pas tout ce qu'il y avait, hein, mais... Mais bon, là, ça fait mal au cul quand même. Hein. Bon, par contre... Alors on a été où? Et là-haut. Ok, toi on remonte des troupes à l'autre là. Ok, un joueur en moins. Vas-y, reprends le château si tu veux. Ah ouais. 99 mains quand même. Ah ouais. Ouais, c'est chaud.
J'avais pas aveuglé. On est bien que si. Ouais bah merci les nains quoi. Les nains qui vont les sauver hein, parce qu'en soi. Sur la durée hein, mais ok d'accord. Bon, on va peut-être pas faire sur la durée en fait. Ok, pas grave, il faut que je fasse juste gaffe parce que qu'on dégage, c'est juste impressionnant. Ça devient même plus n'importe quoi. Alors, tac tac. 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 Je dis tout après hein, sur le reste. Hein. Ici, est-ce qu'on n'a pas un petit nécromancien non barbare? Façon de parler, hein, c'est pas non plus gigantissime. Hein? Donc juste un. Décidément, à chaque fois, c'est la même chose qui nous manque. Alors, tac, comme 4, tac, tac, tac. Ah, il en faut 20. Ah oui. Oui, bah non, bah 20, va falloir être patient, quoi. Alors, choper des mines. Pierre précieuse. Est-ce qu'il y a des mines de pierre précieuse dans... Je sais pas. Ah ok, intéressant. Quelques problèmes à nous. Je sais pas quoi faire de ce héros. Toi. Il y a encore du château orange ici, d'accord, ok.
Hein? Ensuite, on continue par ici, ok, toi tu remontes. Ça. Ouais, on va te rattraper très vite. Archibald. Ah. Nickel. On va aller bloquer le château dans la foulée. Ça devrait être bon, devrait être tranquille. Avec le joueur orange. En tout cas en grande partie. Mais j'ai tellement de châteaux que je m'emmerde à améliorer celui-là. Mais voilà. En fait celui-là il a déjà ce qu'il faut. Quoi. Tac. Toi qui es là. Pareil, remonte juste là en fait. Déjà, tu me laisses la place, s'il te plaît. Et ici, ok, on va faire un build. On va avoir d'autres sorts. On va faire titan, dommage. Ok, tout a été recruté ici en fait. Ok. Archibald peut la rattraper, non. Je pense qu'il va m'attaquer ici et probablement gagner. Il tente de prendre son château là-bas. Bon bah. Ah, plein de trucs. Ok. Je suppose que. Alors on va aller à la rencontre de lui là quand même, parce que lui, on va lui donner son armée, Archie. On va passer le tour. Tiens, on va en profiter pour refaire voir héros. Ok, il reste un héros ici et je suis sûr que c'est Roland, le dernier. Le dernier des Mohicans. Alors. Tu vas pouvoir passer là pour en recruter d'autres. Ça commence à causer là. Et maintenant, bah, on va faire que du Archibald et puis on va aller essayer d'aller trouver Roland. N'entrez pas. On va voir. On va voir, on va voir. Il faut suivre la rivière. Demi-tous, vite. Tiens, une petite erreur de traduction. Je vais signaler. Hop, petit imprimé écran. Il n'y a plus d'espoir. Je vous avoue que je stresse un peu de savoir ce qu'il va avoir comme devenu en enfer. Ouais, déjà, faut affronter eux. Ils s'en vont. Ok.
Mais bon, normalement, je pense que je suis plus armé que lui. Hein. Je crois bien que c'est la fin. Ah tiens, avant d'y aller, je suis curieux de voir, là-bas il y a un autre portail. Où est-ce qu'il amène? Coucou, hein? Engin au passage. Il y a un autre chemin pour venir ici, c'est ça? Non, ça amène à un autre héros qui des ressources. Bref, on s'en fout. Il est temps. Ouais, bah oui, déplace-toi, toi. Allez, bisous. Hein. Il a quand même une sacrée armée. Hein. On va le faire. On va le faire le combat quand même. Il a quand même une grosse armée. Je me moque de lui, mais il a quand même une grosse armée. Mais bon, on peut pas lutter. Hein. Faire contre comme sort. Éclair foudroyant. Bénédiction ou un truc dans le genre. Bon. Les morts vivants, on s'en fout. Preuve de sang, il peut pas sur un lit. Lui, il peut. Un peu ridicule, mais... Il s'amuse avec ses petits élémentaires, là. Je suis désolé, mon cher Roland, mais c'est la fin pour toi. Hein. Ça ira pas, mon cher ami. Ça ne suffira pas, c'est la fin. Bon, c'était pas le scénario le plus dur, celui-là. Tuer mes squelettes, c'est dire. Et mes dragons squelettes. Mais c'est pas grave. Et voilà. Encore plus de niveau final. Petit bouclier augmente vos compétences d'attaque et de défense de 6. Pas mal. Vous avez capturé Sandcaster, vous êtes victorieux et c'est la fin de cette campagne. Non seulement ouais. J'ai décidé de te laisser la vie sauve, mais en plus, je te nomme monarque du donjon.
Te voilà gouverneur d'un empire puissant. Je viendrai de temps à autre te rendre visite. Si toutefois les rats et les insectes ne me font pas fuir. Un sourire diabolique. Voilà. Roland, roi du donjon, roi de sa prison, va pourrir ici jusqu'à la fin. Et c'est la fin de cette série sur Heroes of Might and Magic 2, sur même Free Heroes of Might and Magic 2. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi, je me suis régalé. Et je pense vous proposer très prochainement une autre série, et je ferai probablement la campagne du bien. Voilà. Voir, je partirai sur les extensions, qui apparemment sont assez dures au niveau difficulté. Donc on verra tout ça, voilà, mais en tout cas j'espère que ça vous a plu, moi j'étais super content de vous présenter ce jeu, ça m'a fait énormément plaisir. Je me suis bien éclaté, vous m'apportez des petits commentaires sympas, c'est quand même... La série est bien suivie par rapport aux statistiques de la chaîne Les Jeux du Cygne, et sachant que c'est un vieux jeu, donc je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ça, ça m'a fait énormément plaisir. En tout cas je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci encore à toute l'équipe de F-Heroes 2 d'avoir rendu ça possible avec autant de facilité, de qualité et d'amélioration, parce qu'ils ont vraiment fait un super boulot. Si vous aimez le jeu, vous avez le tester, vous l'achetez sur GOG et ensuite vous ajoutez ce petit mode. Moi je peux vous aider à installer si vous avez besoin, et franchement vous éclatez, vous en avez pour des heures de jeu. Voilà, merci beaucoup tout le monde et à très bientôt sur les Jeux du Cygne. Bye bye.